Le bachelor est une formation en 3 ans qui permet aux étudiants de devenir des concepteurs d'espace intérieur, public ou privé, de la micro-architecture, de l'architecture à petite échelle ou du design mobilier. Du coup, j'ai choisi cette formation pour le côté pratique de la formation, la diversité des matières et la possibilité d'apprendre la technique grâce aux compagnons du devoir. La formation s'adresse à des lycéens en bac général, technologique ou professionnel qui débutent ou non dans l'art ou dans le design. Alors dans cette formation, on apprend beaucoup de choses, beaucoup le design d'espace avec les ateliers de conception et la réalisation de beaucoup de maquettes et de projets. Dans un autre temps, on apprend aussi des plutôt côté mobilier avec des réalisations de maquettes plus précises et un côté plus technique à l'aide des compagnons et des cours de technologie et d'informatique. Les plus de la formation, déjà c'est une formation basée sur le faire. Donc on a un tripartite, on a Made In qui est à l'origine du projet, qui est vraiment la culture générale, la conception du projet. Ensuite on a les compagnons du devoir qui sont le savoir-faire finalement. Et puis on a les grands ateliers de Villefontaine qui eux permettent de réaliser les projets à l'échelle 1. Dans cette formation, on réalise beaucoup de projets. Les principaux, ça a été un projet de scénographie où on a dû repenser et réaménager un espace abandonné sur les quais du Rhône pour accueillir une exposition pour la Biennale à Lyon. Le deuxième, ça a été de créer un refuge en montagne avec un cahier des charges qu'on a dû par la suite transporter au bord de la mer et donc changer le cahier des charges et respecter les conditions de bord de mer. On a une première année qui est dédiée à l'apprentissage des outils, c'est-à-dire mettre l'étudiant dans le bain, on va dire, de conception, lui apprendre les rudiments en fait, hein, du dessin, de la représentation, de la maquette, comment plier ou couper des matériaux pour réaliser un volume. La deuxième année, elle est consacrée, et la troisième année qui fonctionne, on va dire, plutôt en duo, est vraiment amenée comme 2 ans de professionnalisation de l'étudiant où on va l'amener à travailler avec des outils de conception assistés par ordinateur, de la 3D, du plan AutoCAD. La globalité de la formation, elle est structurée par des temps forts, on va dire 4 à 10 semaines de stage en entreprise. À peu près 2 semaines de stage par an dans les grands ateliers pour réaliser du modèle à l'échelle 1 et puis un suivi hebdomadaire par les compagnons du devoir. Alors ce que je préfère à Made In, c'est le cadre de l'école avec sa vue prenante sur Lyon qui est juste magnifique, mais aussi la vie étudiante qui est très animée. Personnellement, je fais partie du BDE, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations qui font beaucoup de projets au sein de l'école. La suite après le bachelor pour les étudiants, c'est soit d'être professionnel, d'être designer intégré en agence, ou de poursuivre des études supérieures dans des masters spécialisés tels que l'art ou le design, voire même l'architecture.